Peser un colis, préparer un document, produire une affiche, vous avez toujours eu le souci de servir vos concitoyens avec cœur. Dorénavant, ce souci devra s'exercer d'une nouvelle manière. Le déconfinement se poursuit en Ontario, mais nous avons la responsabilité de prendre toutes les précautions contre la COVID-19. Chaque entreprise est unique. Chacune doit donc définir sa stratégie de lutte et la garder à jour. Avant le retour de la clientèle, il faut encadrer le retour du personnel en veillant à ce que tous les employés subissent un test de dépistage. Chaque personne doit divulguer le moindre symptôme et rester chez elle dès qu'elle se sent un peu malade. Mais comme on peut avoir la COVID-19 sans présenter de symptômes, il faut travailler intelligemment. Ça passe par la distanciation physique, par exemple, en espaçant les postes de travail, en répartissant les quarts de travail et les pauses, ou en divisant les tâches pour avoir moins d'employés ensemble. Un milieu propre est un milieu sûr. Il est donc essentiel de nettoyer et désinfecter souvent le comptoir, l'arrière-boutique, les endroits où les clients font la file et tout ce que l'on touche régulièrement, comme les claviers, les stylos, les tiroirs-caisses et les poignées. Et bien sûr, si votre établissement dispose d'un lavabo, d'utiliser les bonnes techniques pour vous laver les mains au moins 20 secondes. En l'absence de lavabo, vous devrez utiliser du désinfectant entre deux clients jusqu'à ce que vous puissiez vous laver les mains au savon. D'autres mesures de prévention existent pour la clientèle et le personnel, comme organiser les files d'attente pour espacer les clients le plus possible et rappeler clairement l'importance de respecter les règles de distanciation physique. Par souci de prudence, demandez aux clients d'utiliser votre désinfectant à main avant de s'adresser au personnel. Installez des panneaux de comptoir pour séparer les employés et les clients en laissant une ouverture juste assez grande pour vos besoins et encouragez le prépaiement en ligne ou le paiement par carte sans contact. Autant la clientèle que le personnel devront respecter les règles des autorités sur le port du masque et le personnel pourrait devoir porter de l'équipement supplémentaire pour accomplir sans risque certaines tâches. Plus votre équipe est formée et informée, mieux vous serez préparé. C'est pourquoi nous avons créé un répertoire de ressources en ligne, accessible en tout temps, qui vous aidera à préparer votre plan de prévention et à rester au fait de l'évolution des exigences et des pratiques exemplaires. Voilà beaucoup de détails à retenir, mais tout le monde doit jouer son rôle. Assurer la sécurité de chacun, c'est la meilleure façon de le montrer. Et ça, c'est toujours gagnant. Vous trouverez tous les détails et toutes les ressources au wsps.ca/COVID-19. WSPS.